Le partenariat avec l'ISTA, l'Institut supérieur du textile alsacien, est différent et s'est développé à travers la sphère ISTA, une véritable fondation à vocation sociale. Alors, l'ISTA est une école qui a été créée il y a 32 ans maintenant par des entreprises industrielles du textile en Alsace. Nous formons principalement des chefs de produits, des acheteurs, des responsables de collection pour la filière textile, mode et cuir. Voilà, donc nous recrutons des jeunes qui sont titulaires d'un bac plus 2 minimum sur l'ensemble du territoire et nous les formons en 3 années. Donc le diplôme est aujourd'hui un diplôme de niveau bac plus 5. Voilà, et pour accompagner les étudiants qui en ont besoin, nous avons créé fin 2016 un fonds de dotation qui s'appelle la Sphère ISTA, un petit peu comme une fondation. L'idée est donc de venir en aide aux étudiants qui en expriment le besoin. Et c'est dans ce cadre-là également que l'on a approché le Crédit Mutuel Caisse de Mulhouse-Saint-Joseph et qui a répondu positivement à notre sollicitation et qui s'est associé à la Sphère ISTA. Nous nous sommes aperçus que parmi les étudiants des différentes promos qui vivent à l'ISTA durant l'année, certains étudiants rencontraient un certain nombre de difficultés. Difficultés dans leur parcours, difficultés dans leurs études, mais aussi peut-être dans la motivation. En creusant, en analysant, en les écoutant, on a compris que certains rencontraient des aléas dans la vie, des aléas souvent délicats, difficiles à vivre. Et donc, on s'est dit que nous devons pouvoir intervenir. D'où l'idée, avec un certain nombre d'amis de l'ISTA, d'entreprises partenaires, de monter un fonds de dotation. Ce fonds a deux objectifs. D'une part, comme je le soulignais, aider les jeunes à pouvoir poursuivre leurs études dans les meilleures conditions, mais aussi aider l'école ISTA qui, en changeant sa maquette, en intégrant l'international dans le parcours, a également besoin d'aide financière pour justement pouvoir financer 2 mois de stage lors de la première année à l'étranger, et notamment à Porto, où un partenariat avec la Business School de Porto a été institué et fonctionne depuis 3 années. Donc le président du fonds de dotation de l'ISTA, M. Menzer, a exprimé sa satisfaction d'avoir signé une convention avec le Crédit Mutuel Mulhouse-Saint-Joseph. Sachez que pour nous, c'est la même chose, puisque nous souhaitons soutenir l'ISTA, qui est une école mulhousienne, qui existe depuis fort longtemps, qui est bien connue par les étudiants. Et notre volonté, c'est aussi d'aider les jeunes lorsqu'ils ont des difficultés, et notamment des difficultés financières, puisque ce fonds de dotation va aider ces derniers à trouver des solutions pour qu'ils puissent se loger ou même parfois se nourrir. C'est vraiment une volonté du Crédit Mutuel d'aller et d'aider les jeunes. Nous allons fêter le bicentenaire de Raiffeisen, et à l'époque, comme aujourd'hui, les besoins sont les mêmes, puisque nous ne sommes peut-être plus dans l'usure, mais dans les besoins fondamentaux de se nourrir, de se vêtir, de se loger, ces besoins restent les mêmes. Et finalement, la philosophie d'il y a 200 ans, on retrouve tout cela aujourd'hui.